parti avec l'une des favorites, Bianca de Loup, qui a pris un bon départ en dehors. Il y a un bon départ également pour le 3. Betty Dugoutier est complètement à l'extérieur. Belle des Landes, le numéro 7 également est bien parti, alors que le 10, Belle des Gossettes, au galop à l'arrière-garde. Le 5, Bonita des Obos, a perdu énormément de terrain. Et la favorite, le numéro 13, Belle d'Honneur, elle pour l'instant trotte en 9-10e position. Elle a assuré son départ. On peut noter que Julien Dubois donc l'a placé pour l'instant côté corde. Double Jet est parmi les dernières. Il y a également en queue de peloton le 2 Baya Samba. On accélère au centre avec Bianca de Loup qui débute aujourd'hui en compétition, qui va venir aux avant-postes avec le numéro 3, Betty Dugoutier, deux filles de Ready Cash à l'avant du peloton. Et à l'extérieur, c'est le numéro 7, Bette Deslandes, qui est un peu piégé pour l'instant. Et tout près, on a également le 11, Bianca Datou. Voilà, on est pour l'instant sous le commandement de Betty Dugoutier et de Bianca de Loup, les numéros 3 et 1. Et j'ai l'impression, alors que nous sommes sur le pied de 1-12-9 au 1500, et bien que Bianca de Loup, le numéro 1, prend l'avantage seul. Un peu plus loin, il y a le 9, By Little, qui vient à la corde sur une quatrième ligne, alors qu'on va aborder la partie montante de la course avec l'as Bianca de Loup qui a l'avantage, rejointe par le 7, Belle des Landes, suivi encore tout près par Betty Dugoutier, avec au centre le 14, Banja de Jaune, et puis également ensuite le numéro 9, By Little, qui est à la corde juste derrière un autre concurrent, le 11, Bianca Datou. La favorite est 9e pour l'instant, Belle d'Honneur, le numéro 13, en 9e position. Julien Dubois attend tranquillement, alors que vous le voyez au commandement, on ralentit un peu le rythme, j'ai l'impression. On va voir le chrono au 1000 mètres dans quelques instants. Et en tête, nous avons toujours le 1, Bianca de Loup, avec Christophe Martens. Nous sommes sur le pied de 1-16-7, on a bien réduit l'allure. Ouais, Bianca de Loup qui semble d'ailleurs aller très facilement en tête. Elle est suivie par le numéro 3, Betty Dugoutier, avec à leur côté le numéro 7, Belle des Landes. Du voilà en dehors, plusieurs pliches qui se rapprochent, chez le cas du 8, Boubine, le cas du 6 également, Bonigalbe, alors que la favorite, le numéro 13, Belle d'Honneur, est toujours à l'arrière-garde, aux côtés du 9, By Little. On a disqualifié les numéros 10, 12 et 2, et Belle d'Honneur est toujours en position d'attente, alors qu'on arrive au bout de la ligne d'en face et à l'entrée du dernier tournant. Bianca de Loup qui a l'avantage, mais qui va devoir contrer maintenant les attaques, celle du numéro 7, Belle des Landes, qui semble aller tout de même assez facilement, avec en dehors le 6, Bonigalbe, qui est un peu prise, non pas le 6, le 8 plutôt, Bouvine, un peu piégé en dehors des leaders. Betty Dugoutier semble aller facilement encore à la corde, et puis on a également un peu plus loin le 14, Banja de Jeun, avec la sortie bientôt du tournant, avec l'as Bianca de Loup qui va tenter d'aller au bout maintenant. Elle débute aujourd'hui, elle va tenter d'ouvrir son palmarès, alors qu'on retrouve également Betty Dugoutier à la corde, au centre également le 7, Belle des Landes, et puis un peu plus en dehors, Bouvine qui refait du terrain. Bianca de Loup qui prend du champ maintenant, avec Betty Dugoutier qui passe en deuxième position. Bianca de Loup devant Betty Dugoutier, suivi par le numéro 11 à la corde, Bianca Datou. Bianca de Loup qui débute victorieusement aujourd'hui, deuxième place pour le 3, Betty Dugoutier, et troisième place pour le 11, Bianca Datou. As 3